Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la fête de Toussaint, célébration catholique au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus ou inconnus. Un hommage à ses fidèles du Christ dans les paroisses du monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens se sont rendus dans les églises, prières, chants et adorations pour marquer ce 1er novembre. La paix, le renforcement de la cohésion sociale, c'est ce qui a dominé les échanges entre le vice-président de la République, Konaté Mokomelié, et le cardinal Jean-Pierre Coutois. Pour les deux personnalités, c'est une visite de courtoisie. La rencontre s'est tenue hier soir, à la veille de la célébration de la fête de Toussaint. Et l'autosuffisance en sucre d'ici à 2025, c'est l'objectif de la Côte d'Ivoire dans ce secteur. La consommation annuelle évaluée à 250 000 tonnes. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a lancé la campagne sucrière 2022-2023 à Ferke. C'est l'une des principales zones de production. Kobena Kwasi Adjumani est revenu sur les défis à relever. Et puis l'Abissa 2022 bat déjà son plein ce mardi. Le peuple Nzima rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Grand Bassam salue ses actions de développement, surtout les travaux de l'embouchure pour mettre fin aux inondations dans la ville historique. Et puis l'actualité ce mardi, c'est la célébration de la fête de Toussaint. Les fidèles chrétiens étaient dans les paroisses pour prier et chanter. C'est surtout un moment pour affermir sa foi et marcher selon les saintes écritures. Nous y reviendrons dans cette même édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce mardi le ministre tchadien des Affaires étrangères. La rencontre s'est déroulée à la résidence du chef de l'État, la Riviera Golf. Le ministre tchadien dit être venu rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses conseils en vue d'une transition réussie au Tchad. Le reportage complet de Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. Et puis le vice-président de la République, Thiemo Koumelie Kone, a rencontré hier soir le cardinal Jean-Pierre Coutois à une visite de courtoisie où les deux personnalités ont parlé de paix et de renforcement de la cohésion sociale. Franck Wadio. Le vice-président Thiemo Koumelie Kone en visite chez l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Moment d'échange et expression de civilité fraternelle à la veille de la célébration de tous les saints. Pour Monseigneur Coutois, cette visite de courtoisie est pleine de symboles. L'homme de foi n'a pas été avare en paroles de bénédiction pour son visiteur. Ce qui est normal dans la marche des hommes, c'est qu'on aille vers le chef. Et là, c'est le chef qui vient vers son sujet que je suis. Ah, vous voyez un peu l'émotion. L'émotion qui m'étreint ce soir. Je voudrais tout simplement lui dire un très grand et sincère merci pour sa présence dans cette maison qui est sa maison. Mes remerciements, je les confie à Dieu, que lui-même regarde ce geste qui est posé et qu'il fasse descendre en abondance sur le vice-président toutes les bénédictions, toutes les grâces dont il a besoin pour assumer avec la plus grande efficacité la mission que le pays lui confie. Et le vice-président, qui n'a pas caché sa joie de partager ces moments de ferveur spirituelle avec le cardinal, notons que ce 1er novembre, l'Église catholique célèbre tous les saints suivis le lendemain de la journée consacrée aux disparus. Et justement, on revient sur ce 1er novembre, fête de la Toussaint. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré l'événement. Les fidèles de la paroisse Saint-Pierre du Cocody Blocos ne sont pas en reste. Chants, prières et exhortations à suivre les pas des saints. Voici le reportage de Serge Parcom Didi, Jean-Marc Djadji. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent ce 1er novembre la Toussaint. Ils commémorent tous les saints connus et non connus, martyrs, prêtres, apôtres, hommes et femmes qui ont renoncé à leur vie pour vivre une vie de sainteté en se rapprochant de Dieu. Les fidèles religieux de la paroisse Saint-Pierre de Blocos célèbrent tous ces saints qui ont réussi à faire de leur vie une offrande. L'Église catholique célèbre la solennité de tous les saints
Et l'Église rappelle ainsi à ses enfants que nous sommes notre vocation première, qui est aussi une vocation d'appel à la sainteté. La sainteté dans la foi, la sainteté dans l'espérance et surtout dans la charité. Prière, exhortation à l'endroit de tous ces saints présents dans la félicité céleste. Des hommes qui ont été bien dans leur vie et qui sont morts. Ben, c'est ce que nous cherchons tous sur la terre. Être en parfaite harmonie avec Dieu et remplir toutes les conditions, c'est-à-dire respecter les lois pour qu'un jour, nous soyons dans le bonheur auprès de lui. Rendre hommage aux saints qui ont beaucoup fait dans leur vie. Et c'est parce qu'ils ont beaucoup fait que le pape les a canonisés. La Toussaint, fête de tous les saints, un moment propice au dépouillement, au rejet du péché et à la conversion. Cela par observation des actions de miséricorde et de solidarité. Voilà, l'Église honore ses saints. À Boaké, les fidèles ont été exhortés justement à la sainteté. Cette fête est donc l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à suivre ce chemin. On le voit avec Kwadio Kwame. Célébration de la Toussaint à la paroisse Saint-Joseph Mokassa à Boaké. Cette commémoration honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Le curé de la paroisse a appelé les fidèles à la sainteté. Le père Éric Modeste Kouakou demande aux paroissiens de vivre les béatitudes enseignées par le Seigneur et de tout faire par amour pour parvenir à la sainteté. Jésus, en composant cette prière des béatitudes, s'est appuyé sur un patron, sur un modèle qui est le modèle qu'il a vu, avec qui il a vécu tout le temps, qui est Saint-Joseph, son père adoptif. Il a abandonné sa volonté pour entrer la volonté de Dieu. Par exemple, quand Dieu lui demande de prendre Marie comme épouse chez lui, il abandonne son désir, son projet de divorcer discrètement Marie pour donc la prendre dans sa maison. La fête de Toussaint, un lien de proximité avec les fêtes de Pâques et de la Pentecôte, donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûtez déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, c'est un jour, disons, la fête de tous les saints. Et nous sommes là aussi pour prier pour nos parents défunts, pour que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, vraiment les accueille dans sa demeure. Nous sommes dans une grande joie, parce que c'est notre expérience qui a encore nourri, voir chacun d'entre nous avec Dieu dans son céleste royaume. Des chants ont meublé la fête de tous les saints connus et inconnus qui est célébrée chaque 1er novembre. Le 2 novembre est consacré à la commémoration des défunts. Et Kwadio Kwame le disait tout à l'heure, cette journée est dédiée à tous les saints, connus ou non. Ce 1er novembre est aussi une occasion où les chrétiens, les cimetières ne désemplissent pas, gerbes de fleurs, prières pour des parents, des proches arrachés à l'affection des familles. Alors question, est-ce une fête des saints ou une commémoration des défunts? Notre équipe de reportage s'est rendue dans les paroisses de Cocody, Marcory et dans les cimetières de Cocody, Blokos et Oudasville. Voici le reportage de Serge Parcom Didi, Jean-Marc Djadji. Lundi 31 octobre 2022, à Djamé, cimetière de Williamsville, on s'active déjà pour la fête de la Toussaint et la commémoration des défunts. Cette année, des couronnes sont mises en vente par les services des pompes funèbres. Dame Brou se recueille et dépose des gerbes de fleurs sur le tombeau de ses défunts parents adoptifs. Comme demain c'est la fête de Toussaint, et je n'aurai pas le temps de passer ici pour me recueillir un peu sur la tombe de mes parents. Et c'est pourquoi j'ai préféré ce jour ouvrable venir déposer des gemmes de fleurs pour me recueillir un peu sur leur tombe. Pendant la Toussaint, c'est normal qu'on vienne commémorer nos morts, voir comment ça se passe, si la tombe est propre. Et demain, après la messe, on sera là pour déposer des gemmes de fleurs. La fête de la Toussaint, journée consacrée à tous les saints martyrs, prêtres, apôtres, mais aussi aux personnes qui reposent désormais dans la félicité céleste. Au cours de cette journée, des hommages sont rendus à des proches ou parents arrachés à l'affection des siens. Le père Pascal Seka explique
le distinguo à faire entre la fête des saints célébrée le 1er novembre et la commémoration des défunts le 2 novembre. Il y a un peu de confusion à cause des déplacements des foules dans l'après-midi du 1er novembre de la Toussaint. Sinon, la commémoration des défunts se fait le 2 novembre, au lendemain de la Toussaint. C'est deux fêtes à ne pas confondre. La Toussaint, c'est la fête de la vie, de la félicité éternelle. Et le 2 novembre, c'est la commémoration des défunts. Le 1er novembre étant donc jour férié, la fête de la Toussaint et des morts sont jumelées, comme c'est le cas ici à la paroisse Saint-Pierre de Cocody-Blocos, où une messe est dite en l'honneur des saints. Rendez-vous est pris ensuite au cimetière pour un moment de prière pour le repos des disparus. Ça, c'est la tombe de mon père. Je suis venu déposer un bouquet de fleurs. Ça me permet de me souvenir de lui. C'est ma fille. Elle est décédée, ça fait presque 12 ans, 13 ans comme ça. Moi, je travaille le 2. Et puis, bon, je ne vais pas voir le temps le 2. Donc, nous venons le 1er avec tout le monde. Les chrétiens catholiques de Blocos, à l'instar des autres communautés d'Abidjan et du reste du pays, retournent chez eux avec une fierté, celle d'avoir obéi à un principe divin et de s'être souvenu d'un amour perdu à jamais. Et chaque 1er novembre, la gente féminine de l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale, célèbre la journée de la femme de l'église. Pour cette 47e édition, les festivités se sont déroulées dans la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara était avec elle, exhortant à prier pour la stabilité du pays. Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. Elles sont venues par centaines célébrer la 47e journée internationale de la femme baptiste dans la commune de Yopougon. Un rendez-vous instauré depuis 1975 dans le but de promouvoir la jeune féminine au sein de la communauté chrétienne baptiste. Promouvoir la femme, une action pleine de sens qui suscite la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Ce rassemblement est placé sous le sceau de l'entrepreneuriat avec pour thème la femme baptiste, entreprenante au service de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, quand on vient à l'église, on dit tout, on prie seulement. Mais tu pries, tu manges quoi? Ce n'est pas les feuilles de la Bible que tu vas arracher pour manger. Nous disons que l'heure est arrivée où la femme baptiste doit se lever. Le thème a été choisi cette année pour booster les femmes à entreprendre. Seul l'entrepreneuriat peut conduire à une autonomisation. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Donc il faut encourager nos mamans, nos sœurs à l'entrepreneuriat. Le ministre est un homme qui lutte pour la cause des femmes. Et pour témoigner son engagement en faveur des femmes, le ministre Adama Diawara met à leur disposition 4 millions de francs CFA, un soutien financier pour booster leurs activités génératrices de revenus. En tant que cadre de la grande commune de Yopougon, j'ai jugé utile de venir soutenir cette association qui aide les femmes de Yopougon, notamment les veuves, à mener des activités génératrices de revenus. Ces femmes-là méritent d'être encouragées. J'en ai profité évidemment pour demander à mes sœurs baptistes de continuer à prier pour les dirigeants de ce pays, avec à leur tête le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. La célébration de la 47e édition de la Journée internationale de la femme baptiste a été l'occasion pour ces femmes de mettre en lumière leur plan d'action trinal 2023-2025. Ce plan d'action prévoit la construction d'un marché de gros de vivriers en vue d'autonomiser plus de 100 femmes. On reste en religion pour parler cette fois de l'extrémisme violent et la CEDEAO veut mettre fin à ce phénomène. La communauté ouest-africaine implique les guides religieux pour trouver une solution. Un forum sur l'éducation à la culture de la paix vient de prendre fin à Lomé au Togo. À cette 3e édition, la Côte d'Ivoire a dépêché une délégation conduite par le directeur général des cultes, Boko Clément, envoyé spécial. Des guides religieux réunis à Lomé au Togo pour trouver des solutions à l'extrémisme violent. Un phénomène renforcé ces dernières années avec une capacité de nuisance plus accrue et qui touche des pays jusque-là épargnés. Alertés par ces drames récurrents, la CEDEAO et la République togolaise, depuis 2016, impliquent les guides religieux dans la lutte. À la tête de la délégation ivoirienne, le directeur général des cultes, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous sommes venus là d'abord faire part de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière donc d'implication de toutes les confessions religieuses au règlement des conflits et à la lutte contre l'extrémisme violent
et au terrorisme. Traditionnellement, nous travaillons chrétiens et musulmans, mais dans la même... Vous verrez qu'ici, il y a une troisième composante. Ce sont donc les religions traditionnelles. Et je crois que nous allons mettre l'accent sur la participation de ces religions traditionnelles au dialogue interreligieux. Pour la CEDEAO, le dialogue intra- et interreligieux reste le socle d'une éducation à la culture de la paix. À cet effet, tous les pays présents ont ratifié le document consignant les résolutions prises lors de ce forum, dite déclaration de Lomé. L'une des recommandations demande à nos États de mettre en place les structures qu'il faut. Certains États l'ont déjà fait. Certains, certainement, n'avaient pas de telles structures de dialogue interreligieux. C'est l'occasion, en tout cas, au travers donc des résolutions de ce forum, d'amener les États qui, juste là, n'avaient pas encore intégré de telles donc, structures de le faire. Ce qui a été retenu ici comme recommandations les plus intéressantes seront soumises à la conférence des ministres et au sommet des chefs d'État. Donc le conseil des ministres va l'examiner et les questions les plus pertinentes seront soumises à la conférence des chefs d'État et c'est en ce moment-là que les décisions seront prises. Dans l'espace CEDEAO, 7 pays sur les 15 sont touchés par les attaques terroristes. Rien que pour l'année 2021, 1902 attaques djihadistes ont causé 4935 décès. Engagés résolument dans la lutte contre le terrorisme, les autorités togolaises ont déclaré la ville de Lomé capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance à l'issue de ces 3 jours de forum. Dans l'actualité à Beauville, pour certains, les pieds dans l'eau et pour d'autres, contraints de quitter leur domicile. Plusieurs habitations envahies par les eaux. Le président de l'Assemblée nationale exprime son soutien aux sinistrés de ces inondations. Adama Bictogo a fait un don de 45 millions de francs CFA pour aider ces familles à se reloger dans des endroits plus sécurisés. Moussa Konaté. La tristesse après la montée des eaux. Le regard impuissant d'une mère de famille. Kouroutoum et les siens n'ont plus accès à leur maison. C'est jeudi, en tout cas l'eau était derrière la cour. Maintenant vendredi, aux environs de 14h, c'est venu avec une forte pression. Donc vendredi nuit, on a commencé à faire sortir les barrages. Au plus tard, 21h, on ne pouvait plus descendre, on a laissé d'autres barrages là-bas. Souvent, on dormait à l'école là-bas. Mais comme il y avait école, les nuits, on va dormir. Les matins, on revient à la maison, puisque les élèves doivent partir à l'école. Des habitations entièrement inondées suite à la crue de la rivière Agbo. 7 quartiers de la ville d'Agboville concernés par le sinistre. Près de 100 familles impactées par le drame. Les victimes recasées dans différents lieux reçoivent la visite du président de l'Assemblée nationale. Depuis un certain temps, il y a eu une inondation. On a quitté le quartier et nous sommes venus habiter ici. Après des échanges avec les familles et les autorités locales, le président Adama Bictogo apporte son soutien aux victimes. Le président de la République a fait sa part en tant que président de la République. Mais nous, on doit faire notre part en tant que fils de la région. J'ai donc demandé au préfet pour qu'ensemble, ces 100 familles, dans la semaine qui suit, soient relogées. On s'est accordé sur des loyers de 50 000 par maison. Le préfet a dit qu'il avait besoin de 6 mois. Et c'est sur ça qu'on a calculé. 2 mois de caution, 2 mois de loyer et 2 mois pour leur nourriture. Ça fait 300 000. Il y a 100 familles, ça fait 30 millions. Je mets à la disposition du préfet 30 millions pour loger les 100 familles sinistrées. Mais avant, j'ai donné juste quelque chose à chacun. Mais tout ça pour qu'ils retrouvent leur dignité. Les appuis du président de l'Assemblée nationale à l'endroit des populations sinistrées d'Agboville sont estimés à environ 45 millions de francs CFA. Je vous emmène dans le nord du pays. Combler le déficit en sucre d'ici à 2025, le pays veut atteindre l'autosuffisance. C'est la volonté affichée du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a lancé la campagne sucrière 2022-2023 à Ferke, Kobena Kwasi Adjoumani est revenu sur les défis à relever pour atteindre les objectifs. Le reportage de Kader Sogodogo. Premier feu dans une parcelle de canne à sucre à Ferke Sédougou. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, lance ainsi la campagne sucrière 2022-2023. Le gouvernement ivoirien, depuis le 1er mai 2021,
a élaboré un contrat-plan avec le secteur sucrier pour permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance en sucre. La consommation annuelle est de 250 000 tonnes pour une production d'environ 200 000 tonnes. Les deux sites de la SUCAF, à savoir Ferke 1 et Ferke 2, ont produit l'année dernière 112 324 tonnes. Et le défi cette année est de faire mieux jusqu'à atteindre l'objectif de 125 000 tonnes en 2025. Nous avons remis au budget cette année de faire 112 200 tonnes de sucre, mais je pense que les conditions pourraient nous permettre en effet d'arriver à 117 000 tonnes. Moi, j'y crois vraiment fortement. C'est la campagne qui va nous faire le bon pour nous rapprocher des 125 000 tonnes de sucre que nous souhaitons pour la campagne 2025-2026. Je pense que nous sommes sur la bonne voie malgré toutes les difficultés que l'on peut avoir. Les effets collatéraux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine se font également ressentir dans le secteur sucrier en Côte d'Ivoire. Une flambée de prix des intrants et de l'engrais. Des difficultés réelles pour le secteur sucrier. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, félicite la SUCAF et encourage ses responsables à continuer de travailler pour d'excellentes productions qui contribueront à lutter efficacement contre la cherté de la vie. Des solutions seront trouvées pour les problèmes nouveaux qui se présentent. Je voudrais vous dire que les doléances que vous avez formulées, les préoccupations que vous avez soulevées ont été bien enregistrées. Je me ferai fort d'en être le porteur et d'informer qui de droit pour que des solutions appropriées soient trouvées, pour que la production soit au-delà de nos espérances et que ce soit le record jamais égalé. Au nom du vice-président de la République qui m'a mandaté pour la circonstance pour être à vos côtés, je déclare donc lancer la campagne sucrière 2022-2023. Deux principales compagnies assurent la culture de canne et la production de sucre en Côte d'Ivoire. Chacune d'elles s'est fixée comme objectif 125 000 tonnes de sucre pour couvrir entièrement le besoin national. 2025 est la date butoir. Et la reforestation de la Côte d'Ivoire est en marche. Le ministre des Eaux et Forêts, Teta Yamoussoukro, a un atelier tenu pour évaluer les activités des directions régionales. Laurent Tchagba appelle à mettre l'accent sur le reboisement, le renforcement de la lutte contre les feux de forêt et la surveillance de la faune et la flore. Il s'est ouvert ce lundi à Marrakech, au Maroc, la réunion régionale des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Elle porte sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. Cette initiative engage les pouvoirs publics à agir avec transparence. Cet engagement repose notamment sur l'implication des citoyens, la société civile et les parlementaires. Justement, une délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire prend part aux travaux. Mahama Traoré, Adama Sangaré, nos deux envoyés spéciaux. Le Maroc et sa ville ocre de Marrakech accueille la réunion régionale Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. Lancée en 2011, cette initiative vise essentiellement à promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, ce à travers une plus forte implication des citoyens dans l'élaboration, le processus décisionnel et l'exécution des actions censées améliorer leur bien-être. Nous pouvons utiliser cette plateforme pour avoir de meilleure gouvernance pour les citoyens. Nous pouvons le faire parce que ce modèle marche. Donc, quand le gouvernement co-crée des engagements avec la société civile, il y a plus d'ambition et de meilleurs résultats. Les échanges, les ateliers qui vont avoir lieu pendant ces trois jours sont une opportunité pour trouver des solutions aux défis auxquels notre pays fait face. Ce sera également une opportunité pour le Royaume du Maroc de bénéficier et tirer profit des différentes expériences des autres pays. À cette réunion de Marrakech, les États d'Afrique et du Moyen-Orient entendent partager leurs expériences sur les principaux axes d'intervention du partenariat pour un gouvernement ouvert que sont la lutte contre la corruption, la vulgarisation des TIC et les médias. Membre de cette initiative depuis 2015, la Côte d'Ivoire est représentée à ses assises par une délégation de l'Assemblée nationale. Les députés votent les lois, ils votent le budget qui est soumis par l'exécutif. Et donc, il s'assure que dans le budget qui est élaboré, les préoccupations des populations donc, qu'il représente sont prises en compte.
D'où l'importance donc des parlementaires dans ces objectifs, les objectifs de cette plateforme, objectif donc de faire en sorte que les préoccupations des populations soient au centre de l'action gouvernementale. Regroupant aujourd'hui 77 pays et 106 membres locaux, le partenariat pour un gouvernement ouvert se veut une plateforme d'échange entre les pouvoirs exécutifs, législatifs, la société civile et les collectivités territoriales. Pour cette réunion de Marrakech, les parlementaires auront droit à une journée de concertation. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bick Togo, prendra la parole pour évoquer l'état de mise en œuvre du partenariat pour un gouvernement ouvert en Côte d'Ivoire. Et la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée. Voyons ce que disent les chiffres ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 7 nouveaux cas de Covid-19, 7 guéris et 0 décès. À la date du 1er novembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 781 cas confirmés, dont 86 940 personnes guéries, 827 décès et 14 cas actifs. Au total, 20 686 836 doses administrées contre la COVID-19. En restant en santé, cette fois dans le reste de l'actualité, l'OMS a décidé de maintenir l'alerte sanitaire maximale sur la variole du singe. Pourtant, il y a une baisse notable des cas dans les pays les plus touchés en Europe et en Amérique. Le comité d'urgence de l'organisation a estimé que malgré les progrès dans la lutte contre les flambées de la maladie virale, il reste des raisons de s'inquiéter. Il cite notamment les nouvelles infections dans certains pays, mais aussi du manque de moyens dans les pays pauvres. Le peuple Nzima a rendu hommage ce mardi au président de la République, Alassane Ouattara. C'était à la cour royale au quartier France, à Grand Bassam, ce à l'occasion de l'Abissa 2022, fête de nouvel an du peuple Nzima. Cette cérémonie d'hommage est organisée pour saluer les actions de développement, notamment les travaux de l'embouchure. Issa Tchounayo. Après la semaine silencieuse, place à la phase festive de l'Abissa, fête consacrant le nouvel an chez le Nzima Kotoko. Ce mardi, troisième jour des festivités, le peuple Nzima Kotoko rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour saluer les travaux de l'ouverture de l'embouchure et sa clairvoyance et son leadership pour le développement de la Côte d'Ivoire. À la cour royale, au quartier France, la ville historique, échange de nouvelles, libation et prestations rythment l'activité. Au nom du roi Amo Tanoué Désiré, docteur Éclat Richard a traduit la reconnaissance et la gratitude du peuple Nzima Kotoko au chef de l'État. Vous avez permis la mise en œuvre des travaux relatifs à la réhabilitation pérenne de l'embouchure de ce fleuve dont l'ouverture définitive est prévue pour la fin de cette année avec la cérémonie officielle et solennelle d'inauguration attendue pour le premier trimestre de l'année 2023. Pour Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs, président du Conseil régional du Sud-Koumoué, le président de la République est le père de l'embellie économique de la nouvelle Côte d'Ivoire. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, œuvre à donner un sens nouveau, disons une dimension nouvelle à notre histoire collective et de réelles raisons de croire à une amélioration substantielle et continue de nos existences individuelles. Aka Awele a ensuite salué l'avancée des travaux de l'ouverture de l'embouchure et des autres réalisations du Sud-Koumoué. Les objectifs de l'ouverture de l'embouchure sont, entre autres, augmenter le degré de salinité de l'eau de la baie afin de réduire la prolifération des plantes d'eau douce, améliorer l'écosystème de la baie au niveau de la région du Grand Bassam, soutenir l'activité actuelle de la pêche artisanale et développer l'activité de pêche côtière. Il s'agit donc d'améliorer l'environnement
et de favoriser les activités économiques à Grand Bassam. Après des discours à la cour royale, procession à la place Abissa, moment propice pour l'Enzima Kotoko de rendre encore hommage au chef de l'État à travers la critique sociale et des prestations artistiques. Pour terminer ce rendez-vous, ne surtout pas manquer à suivre tout de suite après le journal. Votre émission RTI1 reçoit Thème, quelle politique gouvernementale pour la formation professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Invité Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Présentation à Adama Kone. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui met le feu à la brousse ne doit pas s'étonner de voir le lion devant sa porte. Dieu le voulant, on se retrouve demain.